Sixième étape de notre fil rouge, nous sommes au carrefour dit de Champfleury ou de la station service, un point où il y a beaucoup de circulation, nous avions installé des caméras. Ces caméras, nous en avons mis 80 au total, aussi bien dans les zones de circulation qu'à l'entrée et aux sorties donc, des lotissements de la commune. Nous avons pu en mettre 80 pour une raison très simple. Je me suis retiré de du syndicat intercommunal du Grand Valat qui regroupait Bouc-Bélair, Simiane et Cabriès. Ce syndicat est présidé par Amapola Vendron qui maintenant s'intéresse à la commune. Elle n'a jamais payé les caméras qu'elle devait à la commune. 80 000 euros étaient prévus, ils n'ont jamais été versés à la commune. Ils nous interdisaient de mettre des caméras. Nous avons repris la compétence, nous sommes retirés de ce syndicat parce que pour moi, votre sécurité est ma priorité. Nous sommes en zone police, comme vous le savez. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour la police municipale, un nouveau chef, de nouveaux agents. Nous ferons encore des efforts pour que la sécurité soit encore renforcée dans notre commune. Mais en prenant cette indépendance, nous avons pu vous doter de caméras qui servent ensuite à identifier éventuellement des auteurs de délits lorsque nous avons des images qui sont...